Une semaine après les fins créées officiellement dans le Vatican comme premier cardinal haïtien, Monseigneur Chibly Langlois a rentré Port-au-Prince vendredi, d'après information Monseigneur Patrick Aris by Radio-Tele Kiskeya journée mercredi. Chancelier archevêché Port-au-Prince l'a fait connaître, réception officielle cardinal Langlois a fait samedi 1er mars pendant deux cérémonies qui ont déroulé, une dans le diocèse Okaila l'a dirigé et puis l'autre là dans l'archidiocèse Port-au-Prince là, côté li pral prononcer première parole officielle depuis intronisation. Monseigneur Patrick Aris continue pour le faire connaître, malgré nouvelle fonction li gagne comme prince l'église catholique là bon côté Pape François, Chibly Langlois a toujours été évêque Okaila et désormais rôle li bon côté évêque yo, c'est pral travail avec yo pour gagner plus communion entre l'église locale là avec l'église universelle là. La bien pour le travail tout en même temps dans diverses congrégations à Rome. Responsabilité ça yo vini parce que Chibly Langlois fait partie kounyeya conseil pape la a dirigé. Explication Monseigneur Patrick Aris qui te répond question Emmanuel Tolembrina devant Caméra Mackenzie-Paul. Après sa création, il n'est pas encore reçu. La réception officielle du cardinal se fera premièrement le 1er mars à l'intérieur de son diocèse, le diocèse des Cayes, et en deuxième lieu dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, mais au stade Sylvio Cator, et ce sera pour l'ensemble du peuple haïtien. Probablement, il y aura une réception qu'on appelle la réception étatique, mais ça ne dépend pas de l'Église, ça dépend de l'État. Donc c'est à ce moment-là que le cardinal aura à prononcer ses premiers mots officiels, parce que dans le consistoire qu'il a créé le 22 février et dans la messe qu'il a concélébré avec le pape le 23 février, normalement, il n'a pas à prendre la parole. Mais avant sa création comme nouveau cardinal, il habitait assurément quelque part. Est-ce que son éminence Chibly Langlois va-t-il garder le même lieu de résidence? Bonne question. La première chose que vous devez savoir, lorsqu'on est cardinal, on peut être cardinal de trois façons. Ou bien on est un cardinal de curie, ou bien on est un cardinal émérite pour les services rendus et donc on est créé cardinal après coup, ou bien on est cardinal résidentiel. Monseigneur Chibly est un cardinal résidentiel. Ça veut dire qu'il va continuer à demeurer dans son diocèse qui est le diocèse des Cayes. Donc ça veut dire sa résidence avant sa désignation était le diocèse des Cayes, sa résidence après sa création sera le diocèse des Cayes. Il restera exactement l'évêque des Cayes. Et quel est son rôle auprès des autres évêques en Haïti? Son rôle, c'est normalement de montrer plus profondément encore la communion institutionnelle et la communion, je dirais, épiscopale. Mais cette communion institutionnelle et épiscopale est aussi une communion avec l'Église universelle. Donc, il y a le personnage qu'on appelle le nonce apostolique, qui fait le lien entre l'Église et l'État pour le Saint-Siège et qui fait le lien pour le Saint-Siège avec l'Église locale, tandis que le cardinal lui-même, au sein de l'Église locale, il représente de manière permanente l'Église universelle et porte la sollicitude de l'Église universelle au cœur de l'Église locale, tout comme il donne la sollicitude de l'Église locale à l'Église universelle. Ce rôle-là, c'est uniquement le cardinal qui peut le jouer parce qu'il fait partie du conseil du pape. Il est appelé au consistoire et il va travailler aussi dans différentes congrégations